Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve avec Ayoub qui va nous montrer du coup du molosse. Je te laisse t'introduire un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore et Ayoub. Ok, salut les gars, moi je suis joueur de la team Carlin. Yeah! Hey, t'as du bon niveau de cartes, hein. Ils sont bien très édorés, hein, comme il faut. Ouais, bah, parce qu'en ladder je joue Molosse, mais c'est pas la même version, mais genre, en fait c'est celle-là que j'aimerais bien maxer parce que c'est vraiment la version du moment. Ouais, Mais je ouais, vois. en ladder je joue plus avec une Valkyrie et des flèches. Parce que D'accord, faut ouais. trouver un du bord. Ouais, parce que t'as les cartes en 13, quoi. T'as quand même fait top 520, c'est huge. Ouais, bah il y a 2 saisons, j'étais vraiment. Enfin, c'était la meilleure méta Molosse, quoi. Avec. Je sais pas si tu te rappelles la saison avec les dragons et les Si, frost. t'es à l'hydrague en 13? Non, mais justement, avec le deck que j'avais, justement, ça contrait très très bien Ah. ce deck-là. Du coup, Ouais, d'accord, tu jouais c'était bien. contre les hydragons, en fait. Ouais, voilà. Ok. Nice. Hey, tu fais des bonnes perfs aussi en tournoi mondial. Hein. GG. Merci. Ok, bah allez, on peut partir en live, du coup, ça te va. Ok, j'ai l'info. C'est un roi, t'as trouvé direct. Alors, t'engages sur quoi avec ce deck, du coup, en général? Voilà, j'ai une bonne main de départ. Bon, j'ai pas trop de défense par le dragon de l'enfer, mais je pense que je vais start au Molosse. En attendant, on va voir ce qu'il. Ok, ça te gêne pas d'engager Molosse Non, pas trop. Ok, trop Ok. mousquetaire. Bon, c'est pas un match-up facile, mais on va essayer de gagner. Mais après, à voir s'il joue la version Gang Horde ou la version Blue Black. Bon, déjà là, ça va partir sur du trade. Ouais, ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais faire ça et je vais faire ça. De toute façon, je pourrais pas défendre, j'ai rien, j'ai pas assez. Ouais, Mais je t'es vais vide. essayer de trade Tower au moins. Ok. Il risque de mettre ça. Ok, non, ok, c'est la version sans la Horde. Enter, ouais. Avec. Ouais, avec la. Même chose sur la trade tower. C'est marrant, t'as pas hésité à aller traiteur du coup. Ouais, bah quand c'est comme ça, ouais, faut pas hésiter. En plus, le mec a beaucoup forcé. Ok. Quand c'est comme ça, t'es obligé d'aller repartir en push, tu gardes le poison pour les 3M. Ouais. Bon, là, on va laisser taper la voleuse. Pas beaucoup de choses à dire, j'ai pas envie de gaspiller une tombstone parce qu'il me faut de la défense pour son Ouais. bélier. Puis au final, t'as le droit pour aller défendre en plus. En plus, il a plus de. Enfin, si j'ai un peu de chance, il start mo. Ok, voilà. Ouais, ça va quand même taper sur. Par contre, là j'ai de la chance parce que le. Je sais pas si tu vois, le hunter tape sur le molosse et pas sur le dragon en Ouais, fait. c'est énorme. Je pensais qu'il allait taper sur le dragon de l'enfer, Bah, moi aussi, mais en fait, non. moi. Oh, la value du Ça fait poison. beaucoup. Ouais. Je pense que je vais tuer la dernière mousquetaire avec le fer armor. Et on va poser la tombstone. Bon, c'est pas un match-up facile d'habitude, mais là, ça, je me. Ouais, ça se passe En bien, fait, hein. là, ça se passe bien, ouais. C'est vraiment le Hunter qui a pas focus l'Infernal, ça fait la diff quand même. Yes. Bah, ouais, c'est sûr. Je suis pas censé prendre la tour aussi facilement, normalement. Bon, là en soi, j'ai plus qu'à défendre, et puis c'est GG. Puis la version Hunter, elle est plus dure que la version avec Horde, non? Ouais, de ouf. On va défendre ça. Bon, je le vois venir, 3 couronnes, là on va faire. Ouais, il t'entend. Ok. Il t'entend ardument en tout cas. Ouais. Ouais, normalement c'est bon. Ok. Bon, ça va, on n'est pas tombé sur un bambi pour la première game, c'est cool. Ouais, c'est cool. Le mec se débrouillait pas trop mal. Oui, c'est clair, hein, il jouait bien. Enfin, ses Ouais. plays étaient corrects hein, la plupart du temps. Ouais. Bon, il a juste fait le tir sur son enter, mais sinon, Ouais, c'est ça. il faut. Ok, Et on puis va même, prendre ça. les 3M dans le bac, direct, c'était pas déconnant non plus. Je pense. Ouais. Propre. Oh, t'as déjà retrouvé? Ouais. Non, mais ça va, on t'y fait, c'est que c'est juste. Ça va vite. Ouais. T'es contre quel Drogon? Ok, ça a l'air d'être super casse pas mal. Ouais, ça y ressemble. Hein. Oh, j'ai failli le mettre comme ça. J'ai failli le tuer. On va faire attention. Ok. On va poser le faire. Oh.
On peut galérer à l'opposé. Ouais. Opposé en mode coup. Je pense qu'il va surtout me électro-sorcier, du coup je vais poser un Ouais, Molossus et tout. il va électro-sorcier tous les joueurs ici, je pense. Attendez, Il va même pourquoi le il mettre au fait ça? Bridge, hein. Il est là par terre. Peut-être qu'il l'a pensé Ah qu'il a non, pris. ouais, il a pas. Pardon. Ouais, il est peut-être en 8. Tu penses quoi de ce match-up du coup? En vrai, avec le... Comment ça s'appelle déjà? Le cavalier. Ouais. C'est pas ce qui est le mieux contre le Molosse, mais ça va. Enfin, et relou, c'est que du coup, quand tu mets la tombstone, ça le tue pas, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Alors que le bélier, tu le gères Bon, tant pour ça. Après, je suis même pas sûr qu'il... Est-ce qu'il lui reste des cartes, là? Il doit lui il rester en une reste carte, je deux, me hein. souviens. Ouais, il reste deux. Il reste Allez. probablement l'Ibis et le poison. Yes. En tout cas, Ouais. les P.K. tu les manges bien depuis tout à l'heure. Bon, en général, faut quand même attendre le x2 parce que cette version-là est quand même assez relou. Ouais, tu overcommit pas, tu prends le temps. Ouais, trop. Après, ton deck est bien en x2, donc. Ok, c'est bien ça, poison. Elle devrait pas réussir à connecter ici. Ouais, ça passe. Oh! Ah, j'ai eu. C'était gel, hein, du coup, c'est pas Lewis Ah, avec. je m'attendais pas, mais bon, c'est pas. Oh la Là, par vache. contre, je pense qu'il a fait une. En soi, c'était pas ouf. Enfin, tu vas voir que là, ça, je pense qu'il va bien galérer à défendre. À mon avis, avec le mineur sur le Kirikou, je pense pas qu'il va réussir à défendre. C'est marrant qu'ils aient piécé un Kirikou. Ouais, c'est à cause de Seigneur 9. Allez, allez, pousse! C'est bien! C'est un bon Dommage. éternel. Dommage. Bien joué. Ouais, Par contre, moi, ça m'a l'air fou pour taper les infernales sur les tours. De Ouais, quoi? je sais pas ce que j'ai avec ça, mais genre, j'arrive souvent à les faire focus la tour et au final prendre des tours avec un angle d'enfer, quoi. Ah ouais, c'est assez huge, hein, parce que c'est pas forcément évident de réussir à prendre le focus sur l'infernal. Bah, quand tu. Ouais, faut. En fait, ça, les infernales, c'est hyper important dans le deck parce que de 1, ça défend et genre. Quand tu remets un molosse devant, derrière, c'est très très compliqué de défendre. Ouais, c'est clair. C'est pas évident. D'ailleurs, il était tout à French, la Ram Rider, elle avait plus de portée que son Infernal, du coup, t'avais pas pu def Ouais. sur le gel, c'était marrant. Bon, là, je voulais pas poser ma tombstone direct parce que j'ai peur que le gong tape sans ma tombstone. Ah. Ok, ça a l'air d'être C'est un du peu épique. mortard, non? Ouais, je pense que c'est du mortar, mais. Ouais, Bah après, c'est pas encore être jugé un Sparky, tout ça. Hein. non, c'est Bon. du mortar. Non. J'aime pas trop ce match-là, mais bon. Ouais, c'est compliqué, hein. Il a Après, 3 j'aurais mieux pillards. joué en... j'aurais mieux l'affronter en défi qu'en ladder. Ah, ok, ouais, c'est juste un deck bizarre. What the fuck? Pourquoi il y a un Je golem dans le deck Martha me là? lui attends du coup, voilà, Ah, il joue ok. zap quand même, hein. Bien Ok, joué. on va faire ça. Poser notre molosse, on va accompagner à la MJ. Ah, je sais pas si... Non, je pense que je vais m'attendre un peu dragon, parce qu'on va... je pense qu'il va avoir ses bats. Il est pas très son Infernal? Si. Ok. Infernal Ah 3. si, c'est bon, parce que Mais j'avais c'est pas vu juste les que j'ai petites pas mis cartes. ça. Ouais. Juste que je l'ai pas mis niveau 2 encore. Bah, c'est pour Enfin, ça. niveau 2 ou niveau 2. Et l'Infernal, encore une fois, qui prend la tour. Ouais. Bon, là, je pense que je vais poison sur le pont. Ok. Oh, je vois, je vois. Après, ça, en vrai, ça, le problème de ça, c'est que je pense qu'il a dû avoir une petite latence et il a posé ses fripons avant que je, en même temps que je pose mon poison et du coup, on a Ah. l'impression que le mec est complètement teubé, mais Ouais, c'est mais pas non, voulu. mais c'est sûr que ça arrive, hein, mais c'était surprenant, quoi. Ouais. Moi, je pensais qu'il poserait ses fripons directement dans le poison. En fait, au moment où je les posais, je m'attendais à ce qu'il les pose instant, mais genre, je me suis dit, ah, ok, bah dommage, et en fait, il les a posés en retard. Peut-être qu'il a voulu pré-shot ton poison avec les fripons aussi, hein. Ah, je sais. Mec, c'est pas très bien fait de sa part si c'est ça, quoi. Bon, il joue zap et la horn, donc il risque de te la remettre direct sur le. Au pire, s'il zappe, c'est pas grave. On a poison là. On va complètement.
Ouais, c'est Alors que bien un là, c'est. mortard, tu vois, on l'avait dit. Le mec, c'est vraiment un génie. Et n'empêche, il est arrivé quand même aux 10 victoires hein, pour. Ouais. En fait, il a remplacé le mineur. Oula, par contre, j'ai fait Oh un merde, à truc. gauche, ouais, tu prends le tarif à gauche. Hein. On a bien joué le meilleur d'ailleurs. Mais de toute façon, au pire, je vais quand même prendre sa tour. Bon, je vais. C'est pas grave, je vais essayer ma tour. Ah, t'avais pas le bébé drag au moins? Non, bah là, je l'ai que maintenant, mais j'avais pas l'excès. Oui, ouais. De toute façon, c'est bon. Ouais, ça passe. Yeah! Bon, allez, il en reste une, normalement. Donc, effectivement, il avait la bûche, mais alors la bûche contre ton deck. À Ouais. part pour casser la tombstone sur un glider. Attends 2 secondes, tu vois. Ça m'intrigue quand même. Ouais, ok. Je pense qu'il avait le golem à la place du mineur. Hein. Oui, c'est ça, hein. Ouais. Il a fait un remplacement de chip. Bah, c'est pas ce que je vous conseille le plus. Je pense qu'il était vraiment. Je le conseillerais pas non plus. Non, ah bah tiens, là d'ailleurs il y a un petit peu de. Ouais, ok, c'est bon, je trouvais. Il y a un petit peu de temps d'attente quand même. Ouais, il est peut-être 15 secondes. Ouh, t'es contre un fric. Là, je vais m'en assez défensif avec le Molos. Du coup, en fonction de ce qu'il fait, je vais peut-être start Molos. En fonction de ce Dans quel cas tu starts Molos et dans quel cas tu ne starts pas Molos? là, tu vois, il vient de poser un zap. En soi, c'est pas ouf ouf de start Molos, mais genre, moi, je sais que j'aime bien le faire. Après, il faut savoir avoir de quoi assumer derrière. Genre, là, j'ai largement de quoi assumer. Je vais faire ça et ça. Avec une MG à côté de la Tombstone, et ça va largement. Je pense que la voleuse va proc sur la tour, mais ça, c'est pas très grave au pire. Parce que il a énormément overcommit. D'ailleurs, il faut juste que j'ai l'élixir pour poser le baby dragon, il va un peu dommage. Ok, c'est encore un PK à ce moment-là, d'ailleurs. Mais Ouais. cette fois-ci, c'est la version classique. C'est ça. Enfin, classique avec les dragons à la place de. Ouais, c'est ça, de D'extra. Limit. Ouais. Ok. Bon, là, pour le coup, ouais, du coup, c'était un peu. Ouais, du coup, Je m'attendais pas. ça t'a pas aidé de démarrer Molas ici. Ouais. Après, le barrel aurait plus généré un peu plus de value aussi, je pense. Bon là je pense s'il va me s'il me foule je vais le laisser prendre ma tour. Ok, on croise du même côté. Je vais juste faire ça. Histoire que mon dragon de l'enfer défende un petit peu. Ouais, je vais poser comme ça. C'est pas évident les drags hein, sur cette version que tu joues. Yes. Mais je suis quand même confiant, je pense que je vais pouvoir la remonter, mais c'est quand même, ça va être compliqué. Mais je peux la remonter. Mais ouais, l'hydrague il fait un peu mal. Ouais, un petit zap aussi, du coup. Ok. Que je vais faire, c'est ça, je pense. Là, il a plus son hydrague, du coup, mon dragon de l'enfer va pouvoir dépop. Ouais, il a même pas les apparentations non plus, donc. Ok. Tu fais souvent Voilà, des tu push m'envoies. là-bas, Baby Dragon? Ouais. Ok, je pense que je vais me bolos. Voilà, comme ce que je pense. C'est exactement ce que je m'attendais à ce qu'il fasse, c'est qu'il défend avec les dragons, et que du coup, il a rien pour son pack. Ouais, pour reset l'infernal. Ouais. Bah là, il va te zapper pour le coup, C'est bon. sûrement, parce qu'il a quand même en main. Mais je crois qu'il a il a pas encore son zap, il lui manque une carte encore, Ah, genre ok. les gargouilles, et là je pense qu'il a perdu, je pense. Ok, on va tout. Oh, je voulais poser ma tombstone mais elle est pas sur Ouais, le deck. c'est ce que je disais, je pensais. Bah, tu peux rattendre du coup. Bon, de toute façon là c'est fini en vrai. Oh c'est terminé quoi. Mais contre le PK Spintex, il faut pas avoir peur quand on se prend la tour directement, c'est Ouais, c'est pas pas très game pour très autant. Ouais. grave. Alors, on peut largement remonter les games quoi. C'est limite normal des fois de se prendre une tour rapidement contre un Pégramoine. Parce qu'il met trop l'impression de taper une carte au sol pour défendre. Ouais, c'est Voilà. ça, surtout en fois 1, c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est sûr. Surtout si t'as pas genre une bonne rotation ou autre. Ou si t'as mis un lava direct par exemple. Ouais, bah voilà, genre. Par exemple, tu vois, ouais. C'est dans ce genre de cas, si tu connais pas le deck d'adversaire, en soi, c'est pas ouf de lava début, mais. Moi, je sais pas, genre, j'aime bien le faire. Mais ouais.
En fait, moi, ce qui m'embête dans le fait de lava direct, c'est que je trouve que lava, quand il est seul, mais comme le golem, hein, du coup, il est faible. Hein. Enfin, typiquement. Ouais, et puis le lava, c'est encore pire que le golem, parce que le golem, encore, ça peut le faire, mais le lava, c'est encore pire. Bah, c'est ça, Parce le que là, golem, tous les temps, c'est il faut lava. qu'il y ait une troupe sur lui, mais le lava tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, au final, si lui, il te met 7, genre une battle ram et 3 millions derrière, là par contre, la tour elle tombe quoi. Et ça sent en fait que t'es à l'aise sur le deck, du coup tu sais, t'as confiance sur tes capacités de revenir et sur les prochains plays à faire, etc. Tu te démoralises pas juste parce que tu commences à perdre en fait. C'est assez impressionnant du coup, enfin, ça sent que t'es à l'aise sur le deck et sur tes chances de pouvoir gagner, c'est marrant. Je veux dire, c'est que du coup le deck Monos, ouais, pas forcément cette version-là, mais genre ça fait quand même plus d'un an, je pense, que je le joue, un an et demi, que je joue ça en ladder, que je joue Molos. Ok. Du coup forcément t'es habitué et tout, et du coup tu sais contre quoi t'as match-up et tout. Genre. Pour toi, les match-ups vraiment chouettes, ce deck, c'est quoi? Bah 3 Moumou, et puis le comme ce qu'avait affronté Lolo là, le bouliste ballon gel. Enfin lui Ouais. il avait pas affronté un bouliste, mais c'était Oui, un peu je proche vois, le de. ballon gel, quoi. Ouais. Il est pas impossible, mais il est très très dur. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Après, ce qui est bien avec le Molo, c'est que dans cette méta, en tout cas, t'as énormément de match-up. Genre vraiment énormément de match-up. Pour toi, les match-ups Hein? qui passent bien dans la méta, par exemple, c'est quoi? Bah, pique à spam, y a quoi d'autre? Le... Ah, j'avoue que le genre royal, c'est 50-50 pour moi. Ouais, Très c'est pas simple non compliqué. plus, hein, GR. Ouais. Ouais, gère, c'est pas facile. Après. Les golems, ils draguent. Tu t'en sors comment contre? Les golems, en fait, il faut essayer de contourner l'hydrague avec le molosse, sinon c'est trop trop compliqué. Moi, je sais que j'arrive à gagner ce match-up, mais il y a plein de copains à moi qui me disent qu'ils arrivent jamais et tout, et qu'ils galèrent. Mais moi, je sais que c'est en contournant l'hydragon avec le molosse et en défendant le golem avec le dragon de l'enfer, ça passe tranquillement. T'appelles quoi contourner l'hydrague? C'est genre tu mets l'infernal quelque part pour utiliser En l'hydrague fait, en face et. pose mon infernal. Ouais, je pose mon infernal et puis genre devant, mais genre tu sais avec un peu d'avance, c'est comme ce que j'avais fait tout à l'heure, avec un peu d'avance, je mets mon molosse, comme ça protège Oui, d'accord, mon ouais, je dragon. vois. Parce Ok. que tu sais, il y a une certaine zone pour les dragons. Oui. Voilà. Ouais, je vois. Du coup, tu joues là-dessus. Ouais, ça me surprend pas. Et des fois, ça t'arrive de faire, par exemple, je sais pas, des prises d'aggro, pareil, aux mineurs ou autres pour protéger Infernal. Ouais, ça m'arrive. Ça, d'ailleurs, j'avais oublié de le dire ce que je voulais le dire. Quand on affronte un golem bébé dragon par exemple, genre on fait notre punch, on pose notre molosse et on défend le golem parce qu'en général il attaque du même côté, on défend le golem au dragon de l'enfer et après il y a le counter push et le molosse en général en fin de vie parce qu'il a dû mettre un bébé dragon pour défendre et tu peux mettre ton bébé dragon, enfin ton mineur juste à côté. Vous voyez le placement où le mineur s'il fait pas de tornade principale, on place le mineur là et le bébé dragon focus le mineur et les roquets de lave tuent le bébé dragon. Ah, ouais, je vois. Ou D'accord. alors, quand tu as vraiment beaucoup de troupes qui supportent, tu mets le mineur derrière la tour, le bébé dragon va se retourner et il va devoir choisir entre mineur tour, entre mineur entre tornade le mineur tour principal ou tornade la défense. Et sauf que si tornade la défense, et bah, le problème c'est que le bébé dragon tape pas la défense. Ouais, d'accord. C'est un peu compliqué pour lui. Donc c'est beaucoup aussi effectivement jouer sur Ah ouais. la tornade du golem pour pas qu'il ait de bonne tornade en fait, il doit choisir quoi. Il peut pas prendre le mineur et les pop. Ouais, voilà. D'accord, je vois. Bah, c'est ce qu'il est, hein, mine de rien, enfin, faut vraiment faire gaffe au placement, effectivement. Ouais, le placement de mineur, c'est hyper important, vraiment. J'espère que vous avez pu apprécier autant que moi du coup la vidéo, le gameplay d'Ayoub, etc. Il y a son Twitter en description, n'hésitez pas à aller le suivre, ça lui fera super plaisir. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.